L'Assemblée nationale a organisé un atelier crucial pour la cause féminine, mettant en avant la restitution des caravanes et plaidant ardemment en faveur de l'égalité en politique ainsi que de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'événement a rassemblé des parlementaires engagés dans cette noble mission. Au cours de cet atelier, les parlementaires ont évalué l'impact des caravanes organisées à travers le pays, visant à sensibiliser les populations sur l'égalité des genres et à mobiliser en faveur des droits des femmes. Les discussions ont été riches, mettant en lumière les progrès réalisés ainsi que les défis persistants. Un des points forts a été le plaidoyer pour une représentation politique équitable des femmes. Les parlementaires ont souligné l'importance cruciale d'une représentation diversifiée dans les instances décisionnelles pour favoriser des politiques inclusives et équitables. Sous la présidence de Dilaita Mohamed Dilaita, président de l'Assemblée nationale, cet atelier a bénéficié de la participation dynamique des parlementaires ainsi que des représentants du ministère de la Femme et de la Famille et de l'UNFD. Il convient de saluer les contributions significatives du ministère de la Femme et de la Famille ainsi que l'Union nationale des femmes djiboutiennes dans la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes. Ces institutions jouent un rôle déterminant en élaborant des politiques et des programmes visant à améliorer la condition des femmes à tous les échelons de la société.